Julia Fox a défilé dans cette pièce. Bonjour, je suis Guillaume Henry, je suis directeur artistique de Patou. Alors on est là dans les bureaux de Patou, plus précisément dans mon bureau sur l'île de la Cité, dans le 4e à Paris. Là, mon bureau, il est particulièrement clean. En fait, quand on commence une collection, on commence à empiler des couleurs, à empiler des documents. Au pic de la collection, alors c'est vraiment le bordel. J'ai aucune idée de ce que sont ces livres. Des fois, je m'amuse à en prendre un au hasard et je viens de tomber sur la biographie de Sylvie Vartan. Et ça, je pense que je vais l'embarquer avec moi. Un bureau, il devient un bureau quand on ferme la porte. Moi, j'ai envie de dire que mon bureau, c'est ça. Dès que je dépasse le bureau en tant que meuble, eh ben, je trouve que c'est un espace de vie. Et ici, en fait, il se passe des rendez-vous en permanence. Cette table, elle a entendu un nombre de conversations. C'est fou tout ce qu'elle sait. En fait, je suis un peu un cuisinier. J'ai mes ingrédients, voilà, et je fais mes recettes. Feutre noir, lui, il est capital, ce feutre noir. Je sais plus lire de qui c'est parce que j'ai tellement mâchouillé ce crayon. C'est pour faire les contours des dessins. Et puis après, la mise en couleur, je vais utiliser ces feutres pour donner du relief aux vêtements. J'ai tout. Et en 40 exemplaires. Les critériums, il faut changer les 1000. Ah ben non, moi je change de critérium. Donc j'en ai à peu près 153, hein, qui sont complètement vides. Ah non, ben... de bol. Souvent, quand j'interagis avec les équipes, j'ai vu sur Paris et c'est une façon d'être dedans et dehors aussi. Pendant le confinement, il m'arrivait d'ouvrir les fenêtres pour applaudir les gens tellement ils avaient des looks géniaux. C'est aussi dans cet espace qu'on fait tous les fittings. Et donc, en ça, ce miroir, il est hyper important. Et puis, quand la collection est terminée, on va jusqu'à fermer le miroir et ça devient un mur d'expression où on va poser les documents et les inspirations pour la prochaine collection. Il y a toujours sur cette table deux, trois éléments qui sont fondamentaux. Les punaises, parce que c'est très important. Voilà, elle a mon nom dessus pour qu'elle soit sûre de revenir dans cet espace-là. Voilà, ça c'est dans un des tissus de la toute première collection qu'on a fait. C'est un petit pic aiguille, un doudou vaudou un peu, voilà, donc que j'aime bien. C'est un bureau couteau suisse en fait. J'ai tout à portée de main, voilà.